ressens comme une vague d'énergie. Le pouvoir de voyager dans le temps. Je sens qu'on va s'amuser. Des trucs. Et quel genre de trucs? Ah bah après je vais te montrer. Je pense à un truc. Trouve pas que ça fait plusieurs semaines que c'est calme dans la ville? Oui, et alors? Bah justement, ça te paraît pas un peu trop calme? Pire, s'il y a quelque chose, je m'en occuperai. Désolée. Je dois être barbante des fois. Émilie, je t'aime comme tu es. Et pour rien au monde, ça changera. Même avec des boutons partout. Et faut pas déconner non plus. Bon, faut que je me concentre. Allez, concentre-toi. Ah, le flou, je vais enfin me débarrasser de toi. Ah, au fait. Tiens. Oh, merci. Tu croyais quand même pas que j'avais oublié ton anniversaire. Et puis quand on est passé devant la vitrine la dernière fois... J'adore, ils sont trop beaux. Merci. De rien. Il y a juste un truc. Moi ouais. Mon anniversaire, ben c'était hier. Hein? Oh là, je déconne. Ça se fait pas ça. T'aurais dû voir ta tête. C'est cruel de faire ça. Oh, tu m'écoutes? Hein? Oui, désolé. Pourquoi tu viens pas avec moi? Mauvaise idée, on est deux. Il va se douter de quelque chose. Bon bah... J'y vais. Je reste ici au cas où s'il y a un problème. Super. Oliver, je croyais que tu m'attendais là-bas. T'en fais pas pour moi. Oh, Oliver, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Je viens du futur. Quoi? Tu délires? Et toi? Hein? Tu veux qu'on fasse un truc cet après-midi? Eh ben... Ah! Ça va? Difficile à dire. Tu veux un médoc? Ah, c'est comme si j'avais des nouveaux souvenirs. Comment ça, mais... Comment ça peut être possible? Je vois Oliver. Comment ça, tu vois Oliver? Je crois qu'Oliver a développé le pouvoir de voyager dans le temps. C'est quoi ce bordel? Tu me ressembles? C'est parce que je suis toi. Il a dit qu'il vient du futur. C'est quoi ce délire? Je crois qu'il va me tuer. Quoi? Oh, trop blabla, ça me gave. Non! Oh, sérieusement, enlève-toi de là. Alors là, tu rêves. Lui, c'est comme mon frère. J'étais vraiment naïf à l'époque. Baisse ton arme. Écoute, dans quelques années, vous allez devenir ennemis. Quoi? Il faut que j'aille dans le passé. Tu ne connais même pas l'époque? En fait, c'est difficile à expliquer. Il me crée des souvenirs. Du coup, je suis à peu près sûr de l'époque à laquelle je dois aller. Et qu'est-ce qu'il veut à la fin? Me tuer, avant que j'obtienne mes pouvoirs. Il faut que tu te dépêches alors. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive?
Il vient de me tirer dans la jambe. Faut que t'ailles te sauver. Bonne chance. Merci, princesse. Ah ! Bordel, tu veux quoi ? Je te l'ai dit, il va devenir ton pire ennemi. C'est vraiment n'importe quoi. Tout ça à cause d'une arme magique. La magie, ça n'existe pas. T'inquiète, ça va aller. Crois-moi, je te rends un énorme service. On sera jamais ennemis. Oliver est comme mon frère. Qu'est-ce qui se passe ? J'entends rien. La ferme ! Vous sentez rien ? Il se passe un truc. J'hallucine. Où c'est moi, là ? Non, c'est bien toi. Excusez-moi, je vous l'emprunte. Oliver, c'est décidé. Demain, j'arrête le vin blanc. Putain, c'est pas vrai. Merci. T'es sûr que ça va? Un peu secoué. Je comprends pas. D'habitude, quand tu utilises ton pouvoir temporel, tu l'as pas mal. C'est parce que cette fois-ci, j'ai ramené quelqu'un avec moi. D'accord. Je comprends mieux. Voyager à deux, c'est crevant. Et pour Oliver? Quand je suis parti, il était encore dans les vapes. Il va le songer. C'est plus que sûr. Maintenant, ce que je me demande, c'est... qu'est-ce qu'il va nous préparer ensuite? Un câlin? Bah oui. Je me suis dit que t'en avais besoin. Bonne idée. Thank you.